Rouge. Il devait pas venir. Il était pas invité. Et pourtant, il est là. C'est le pic-assiette. Mercredi 21 février, c'est la journée mondiale des guides touristiques et nous avons notre guide à nous, c'est le porte-parole du groupe Rouge. Bonjour. Bonjour Sonia, oui, alors effectivement, je suis le porte-parole du groupe Rouge. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une visite guidée des locaux de Rouge. Ah, super. Alors, déjà, le bureau que vous voyez tout de suite en entrant sur votre droite est le bureau du chef antenne. Oui. Alors, le chef antenne, c'est comme son nom l'indique, le chef de l'antenne. Mm-hmm. C'est lui qui dirige les animateurs et qui donne les directives. En quelque sorte, la ligne de conduite des émissions. Oui, mais pourquoi le bureau est à côté de la porte d'entrée Très bonne question. Ah. Alors, c'est surtout pour le côté pratique, dirons-nous, car les différents chefs antennes qui se succèdent chez Rouge sont amenés régulièrement à prendre la porte. Oh, petit homme. Oui, mais il y en a même qui parfois n'ont même pas le temps d'installer leurs affaires. Alors, maintenant, dirigeons-nous vers les studios en passant par l'open space. Vous voyez, ouais. Très grand et très vaste. Alors, n'essayez pas de dire bonjour aux personnes qui sont en train de travailler derrière leur écran d'ordinateur. Car ils ne vous répondront pas. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, parce que en fait, ce ne sont pas des humains, mais des statues de cire. Car en vérité, nous savons tous très bien que personne ne travaille réellement ici. Ah bon ? Une bonne partie de la production concernant la radio est réalisée en Chine. Ouais. Et pour ce qui est de la télé avec Rouge TV, tout est réalisé au Bangladesh. Hein. Alors, ça veut dire que les animateurs ne viennent pas travailler, selon vous ? Si, bien sûr. D'ailleurs, faites attention en entrant dans le studio, là, la combinaison en vinyle, au fouet et à la perruque blonde. Oui, c'est Manu, l'animateur du réseau, qui laisse toujours traîner ses affaires. Alors, voilà, nous sommes donc dans le studio maintenant. Ouais, puis ça sent pas très bon dans le studio. Ah oui, ça c'est normal, ça sent un peu la cigarette froide. C'est les experts sport qui viennent de terminer leur émission. Non. Ah oui, mais ils n'ont pas jeté leur bouteille de bière vide et il reste encore quelques cartons de pizza. Et Valérie, la journaliste, n'est pas là. Ah si, mais regardez, elle est là sous le tas de feuilles format A4. Hein. Elle a toujours besoin de beaucoup de notes et parfois elle s'y perd et du coup elle est noyée sous les infos. Mais rassurez-vous, elle revient toujours à la surface au moment du flash. Hein. Ouais. Ah, par contre, excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de recevoir un message de la direction. Ouais. Ah bon, je vais devoir vous laisser. Je viens d'apprendre que je suis viré. Voilà. Ah ben mince, mais vous allez certainement retrouver du travail dans une autre radio. Non, oui, j'espère. Enfin, pour la RTS, ça risque d'être compliqué un peu quand même. Oui. Je vais attendre les votations du mois de mars. Voilà, merci beaucoup, cher Barbara, c'était super. Rouge.